Allez, départ du 7, on est sur 1 par 4. Alors il est en green d'hiver, on savait pas. Il est qu'à 227 mètres. On va quand même le garder dans le match parce que sinon c'est un peu compliqué pour revenir. Donc 227 mètres, on va dire que c'est un gros par 3. Hein. On va voir ce qui se passe là-bas. 227, tu joues quoi comme canne là? Par 3. Oh là là. Oh, elle est tellement pure, mec. Ouais. Oh, reviens. Passe la forêt. Oh merde. Il y a 186 là, t'as dit? Oui. Ok. Allez, 190 au drapeau. Ça drive quand même, Manila? Ok. Oh. Oh oui. Oh, elle va plein sur le drapeau, quoi. Bien joué. Bien joué. Bon, j'ai pas retrouvé ma balle, ce qui est bizarre, parce que je l'ai vu tomber au pied de l'arbre. Donc, je sais pas où elle est, c'est pas grave. Baptiste est en jeu et ma Manila a fait une enroulade complète à gauche. Elle doit être plein dedans. De toute manière, Tania est là et Baptiste est juste là. Donc, le drapeau est là, ça va jouer entre deux. Pour l'équipe, Baba. Pour l'équipe. Rentre-la nous, là. Que pour l'équipe. Allez, vas-y. Allez, Baba, le bogey, il est énorme, là. T'as pas le droit de rater le putt, hein. Ah non, ce qu'il faut doser, c'est comment elle va sauter. Ouais, c'est de doser le sautage dans la balle. Allez, mon baba. Come on. Bon, bah, Tania, hein. Allez. Oh, complet à droite. On revient à 5, je crois. Allez, on continue. Allez, départ du 8. On est sur un par 5 de 516 mètres. Les bunkers, ils sont à combien en face? Ouais. C'est pour ça que tu m'as dit de prendre un fer. C'est que les bunkers en face sont peut-être en jeu. C'est un dogleg droit complet. Donc, est-ce que ça se drive ou pas? On a un léger vent portant. C'est la question qu'on a de se poser. Les bunkers sont à 2,50. 2,50? Oh, moi ça va, c'est large. Toi, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je pense que je peux jouer axe, axe du bunker sans problème. Ouais, je fais les tiger line. Tu fais tiger line à droite là? Bah, bunker et en fade. Add bunker fade, tu veux? Bah moi c'est ce que je vais faire en tout cas. On est 5 down. On est 5 down, faut y aller hein. Ouais. Allez. Oh elle est pure, mec. Elle tombe peut-être un peu trop. Et on verra. Parfait. Shot. Bah, ouais, elle est monstrueuse celle-là. Petit fade. Les départs des filles. Oh, il est magnifique ce départ d'ici. Il est bien ici hein. Tu te sens un peu plus serein, hein. La ligne des bunkers elle est pas en jeu. T'as le fairway bien ouvert en face. Royal. Oh, elle a mis bijoux, hein. Oh là là, elle est magnifique, bravo. Oh, elle est pure. Oh, elle est pure celle-là. Oh, aïe, aïe, aïe. On est dans le mal, papa, là. Non, non, t'inquiète, de pure drive. Bon, je suis plein milieu fairway. On n'attaquera jamais le green en deux, hein. Il est à 300 mètres. Rencontre infaisable. Je vais jouer un fer 4, je vais jouer balle basse au fer 4. Baba il est un petit peu enfermé à droite, mais ça va. On est plutôt pas mal, les filles ont mis des monster drive, donc va falloir qu'on s'accroche là. Je vais juste placer un shot à, je pense, 170 mètres. Il va me rester ensuite un coup de 130 mètres pour, l'attaque du drapeau, on sera pas mal. Je les veux tellement basses à chaque fois. Bon. Allez, c'est pas grave. Elle est commerciale. Hein. Baba à droite, 260. Il doit faire un fade. Le bunker, là, vous voyez, c'est le bunker de green. Et le green est à droite du bunker. Il a pris bois 3. Il veut faire un tiger shot, là. Allez, bois 3. On va voir ce que ça donne. Vends-nous du rêve, là. T'es chaud, hein, si tu chopes le green. Oh là 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 là, il a... C'est presque, hein. Pas assez. Bien joué. Ça reste un très beau coup. Allez, bon bah je suis là. Il me reste 182 mètres au drapeau. Bah ouais, quand on fait une topette, c'est encore loin. Hein. Je vais jouer faire 4. Écoute, ça frappe la distance. Hein. Approche pas, ça fait pas. Hein. C'est ça. Je trouve Manila qui a mis gros drive. Tu tentes le green là. Il te reste 180 en montée. Ouais. Allez, vas-y. Un petit peu gratté, mais écoute, ça fera de la distance.
Allez, on n'avait pas retrouvé la balle de Tania, mais en fait elle est un peu plus courte qu'on ce qu'on pensait. Donc elle est un peu enfermée à droite. Elle va devoir se recentrer vers la ligne du bunker avec un fer ou un hybride. Ah, petite topette, ça va rouler. Alors, on retrouve Tania pour son troisième 153. Shot. 153 mètres au drapeau. Tu joues quoi comme club à 153 mètres? Là, je joue un hybride. Ok. Eh hey. C'est pur, hein. Ça va prendre un bout, hein. Bien joué. C'est pas mal. C'est bien. C'est pas mal. Moi, j'aimerais bien faire des shots comme ça au lieu de faire des vieilles grattes. Ah, j'en ai fait aussi. 76 mètres. Allez, hein, c'est un petit coup de wedge, tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Ah, c'est court. 61 mètres. Oh, c'est full topette derrière ça. On retrouve Baba pour son troisième shot. Il a tenté. Le fade n'est pas passé, mais ça reste un bon coup. Je vais ramasser. Hein. Ça sert à rien que je joue là. C'est compliqué de filmer à 4, ça presse de partout, de derrière. Je vais ramasser pour faire avancer le jeu. C'est pour ça en fait que vous ne voyez pas tous les coups, parce que c'est juste une misère en fait. À 4, il faut un peu plus de préparation. Bah ouais, hein. C'est bien joué, mec. Allez hop, ça c'est fait. Bravo Baptiste. Ketania qui a mis un bon coup d'hybride. Bon, elle est pas sur le green, mais c'est pas si mal hein, comme coup. Elle putte pour birdie. Ouh, ça va manquer. Ça va manquer cruellement. Oui, joli birdie. Par la porte de droite. Par la petite porte. Bien joué. Allez, départ du 9. On est sur un par 3 qui est quand même sacrément long. Il fait combien? 185. 185 mètres. Ah, ok, ça marche. Le drapeau est complètement au fond. Tu vas jouer quoi comme canne là? Moi, je crois que ça va être faire 4. Vol. Petit peu grasse. Prends bout de green. Reviens encore. Reviens encore. Allez, on est sur le départ des filles. Il y a 150 mètres au drapeau, départ des bleus. Vol. Vol. Ouais, c'est dans le bunker. Oh, reviens. Vol, et reviens. Oh non, elle s'est pris l'arbre. Elle est retombée au pied de l'arbre. Allez, Manila. Elle a pris l'arbre, malheureusement. Bon, la balle, l'arbre a quand même recraché, donc c'est cool. 61 mètres, tu joues quoi là? 350. Ok. Faut que ça tombe. Faut que ça tombe. Ah, elle est un peu longue dans le rough derrière. Comme la meuf en fait. Elle est partie derrière. Partie un peu forte, ouais. Allez, Baba, il a pas pris le bunker avec sa petite gratte. Par contre, pas de chance pour Tania. Dans le baquet. Allez, bah voilà, mets la donnée, comme ça j'ai pas besoin de jouer, moi j'ai juste à filmer. Je suis pépouze. Ouais, c'est juste que là, c'est un peu une galère à 4. C'est vrai que c'est un peu chaud à tourner à 4, donc limite ça m'arrangerait, ouais. Bah va, qu'est-ce que tu me fais? Ça va rouler. Allez, roule. Allez, va à droite. Oh. Eh non, mais non, mais non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, mon chéri. Mais tu sais qu'elle tourne à droite, c'est parfait. Hein. Bah ouais, mais elle est tournée à droite ou pas? Bah non. Bah voilà. Bon allez Tania. Ah, on prend vous. Ça reste court. Bon bah Baba il m'oblige à jouer hein. Aïe aïe aïe. Allez ma. Bon t'es chiant hein. Mais non. C'est toi tu vas pas me faire jouer. Moi comment alors, je me sens dans le la trou. Pente. Je dirais à droite. Gauche droite. Je pense que ça tourne droite gauche. En fait je m'en fous limite. Tout ce que je veux. Non c'est vrai, tout ce que je veux c'est juste le dosage. C'est vrai. Je veux juste la péter un peu à droite, mais par contre je veux juste être à côté du trou. Ah c'est court, ah non ! Dommage. Oh.
Oh là là, ça craque. Non. 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 C'est la et vie. Si. Grave, et si. Donc là, on est sur un par 4 de 347 mètres. Le bunker des droites, c'est à, sont à 206 de carry. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème, on va les passer sans souci. Allez, baba, ça drive. On reste sur une technique agressive pour remonter la pente. Et après, on avisera. Mais on est plutôt bien parti avec ça, donc on continue dessus. Cut encore, elle est pure. Ah, elle est lourde, hein. Shot, avec shot. Descratché. Trouve les filles qui vont jouer drive, on a mis deux pure drive avec Baba. Va falloir qu'elles fassent de même. Ok, ça va rouler ça. Ça va rouler vers le bunker là-bas. Ça passe. Tous les bunkers. Oh oui! Faut que ça reste là par contre. Oh, ça va, Tania s'est pas tapé le bunker de droite. Elle est plutôt pas mal. Bon, il y a les arbres qui vont gêner un peu, le green est là-bas. Mais ça va quoi, ça aurait pu être pire. Il reste quand même un bon shot, je pense. Hein. 140! Il reste 140 là? Ah. Bah ouais. C'est juste qu'elle revient pas. Bon, Manila qui n'a pas non plus été dans le bunker, décidément, la réussite est féminine aujourd'hui. Elle va avoir à peu près la même distance, 130 mètres pour le drapeau, qui est juste là. Là, elle n'est pas gênée par la hauteur des arbres, donc elle peut jouer un club classique pour la distance. 132, tu m'as dit? Ouais. Un 6. C'est mieux un 6. On a un vent portant. Hein. Eh ma foi, c'est un pur coup. Hein. Elle va prendre son petit draw et elle prend un bout de green. Félicitations. Allez. Bien joué. Moi, je suis plein milieu. Baba, il est juste un petit peu après. On est plutôt pas mal. Le green est là. Combien de mètres, mon gars? 112. 112. Baptiste, pas si mal, il te reste combien de mètres? 89. 89, il y a les arbres. Est-ce que ça passe en hauteur ou pas, mon gars? Là, faut pas essayer. Faut pas essayer? Non, vaut mieux la garder un peu basse. De toute façon, le drapeau il est fond green donc. Tu joues quoi comme club du coup là? Pitch. Pitch? Tu la gardes basse au pitch? Ouais. Ok. Ok. Ok, copain. Oh! Oh, elle a effleuré la branche. Bon, bah voilà, sur le green un peu long. Ça roule beaucoup, mais bon. Lucky shot. On trouve Tania qui a fait un bon coup hein, en soi. C'est juste qu'elle n'a pas pris son fade comme désiré. Elle se retrouve à hauteur de drapeau. Une approche pas forcément évidente, il n'y a pas beaucoup de green pour poser la balle. Ouais, ok, ça pose sur le green, mais ça va jamais s'arrêter ça. Bon, c'est normal, hein. Balle pied droit, club fermé. C'était un point de chute beaucoup plus court si elle voulait réaliser ce shot. Allez, Manila est sur le green, elle putte pour le birdie. Du coup, bah, Tania est un peu fond. Et en fait, bah, nous deux, on a mis un peu des sacoches, donc on est un peu fond de green, mais ça va. Il se passe pas grand chose. Allez, c'est parti, je vous mets une petite musique chill. Ah, on est sur le départ du 11, on est sur un par 3 de 131 mètres vent contre au drapeau. Pas très long, mais il va falloir faire attention au club. Hein. Ouais, il y a beaucoup de vent là, beaucoup de vent contre. Tu joues quoi là? Tu fais 8. Allez, vas-y. Ça m'a l'air pur. Thank you.
Ok. Et sur le green, hein. Tombe. Reste là. C'est bon. Allez, Tania qui est là. Le drapeau est là. À hauteur. Manila qui s'est un peu mi-fond de green. Baptiste qui est juste là. Et moi, là. Donc voilà, des shots qui sont plutôt pas mal. Et c'est parti pour les putts. C'est de la boîte, hein. Bah ouais, c'est putain. Non. Allez, à toi. Oh, dommage. J'ai un peu une taille ficelle. C'est clair. Oh là 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 là. Allez, départ du 12. Bon, on n'a plus qu'un pion à prendre. À prendre des squares. Donc on est sur un par 4 qui est long, hein. Il fait 408 mètres. Absolument tout droit, mais c'est long, quoi. Donc on va sortir la masse. Il y a vent contre en plus. Le deuxième shot va piquer. Allez, baba. Grosse minace. Un peu bloqué à gauche. Bon, tu risques d'avoir un deuxième coup sous les armes, mais ça va. Allez, trois. Ok, petit draw. Parfait. Ah. Oups. Ça arrive. Son deuxième dress, son deuxième coup va être un peu compliqué, va falloir se recentrer. Hein. Petite fenêtre ici, est-ce que ça sera le choix? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu fais et tu vas où? Droit du bunker. D'accord. Aïe, ah, ça passe pas. Aïe. Manila qui est en mode craquage là, je crois. Manquer un peu de conviction dans le recentrage. Elle se retrouve dans le bunker. Bon, il reste un bon 190 mètres facile là, voire 200. C'est un long par 4. Je prends un faire 5. Ok, alors on essaie de faire le max de distance. Oh. Arrête-toi. Bon drive de Tania. Reste encore un long coup, non? Vent contre en plus. 1,60 avec le vent en contre. Ouais. Là, il y a vent contre depuis tout à l'heure. Ça joue en bois. Un petit push à droite dans les arbres. Tombe. Ok, allez, au pied des arbres. Alors, Ma, je viens de lui annoncer qu'il avait une fenêtre. Ici. C'est moi, je vais la tenter, mec, à droite. Mais je crois qu'on n'a pas la même définition de fenêtre. Non, mais gros, je vais la tenter à droite. Et un peu la bouba, je vais l'enrouler en. Je vais faire un glue, tu vois. Un truc comme ça. À la Watson. À la Watson. Allez, Ma Watson. Montre-nous ton talent. Full à droite. Et bam, avec les mains, je la ramène. Oh. Ah, dommage. Shot. Elle est restée trop basse. Je crois qu'elle est avant le bunker. Ouais, juste avant. Alors, on trouve Baptiste aussi qui s'est un peu égaré à gauche. Il reste 114 au drapeau. Ouais, mais là, qu'est-ce que tu me fais là? Là? Pareil, à droite, draw. Ouais, à droite. Draw, tu l'enroules avec les manos? Ouais, ça va être un petit peu comme ça. Hein. T'as quoi comme canne pour faire 8. Ça là? 8, ouais, 114, je pense que c'est pas mal. Allez, vas-y, montre-nous la trajectoire. Hein. Ok. Oh là là, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal du tout. Ah, il manquait juste un tout petit peu. Ça. Bien joué. Bon, Manila qui joue, je crois, 5, elle a fait un recentrage, mais ça n'a pas marché. Du coup, non, elle a refait un recentrage qu'on n'a pas vu, ouais, mais un peu compliqué là pour elle. Ok, aïe, elle est à droite. Écoutez, c'est le genre de trou catastrophe qu'on connaît tous. Hein. C'est la vie. Hein. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Bon, allez, on continue. Ok, on retrouve Tania qui a tapé les arbres. Elle est dans un gros rough, par contre, assez épais. Il reste une approche de 45 mètres à peu près à jouer. Dans le rough comme ça, va être un peu chaud à maîtriser au niveau de la roule et de la vol, de la balle. Allez, vol. C'est un peu à droite. Mais c'est pas si mal réalisé tout était. Hein. Le rough était très compliqué à gérer. Hein. Bien joué. Donc on m'a, comme prévu, avant le bunker. Franchement, pas si mal. Hein. Non, bien. Hein. Nickel même. Je m'en sors bien. Ouais, bonne...
Un bon shot de là-bas quand même. 56. On va essayer de planter là. Hein. Spin. Ah, la pop. Stop. Ça va, c'est bien réalisé. Ouais, c'est un bon shot. Ça me va. Baptiste qui était à 2 mètres de choper le green aussi, plutôt pas mal. Hein. Le drapeau est là. Tu joues un coup de pitch là? Non, faire 7. Faire 7? Mais t'as raison, mec. Montre-nous les approches faire 7 en approche roulée là. On a toujours envie de sortir le vieux sand wedge ou quoi que ce soit. T'as tellement de green à bosser. Allez, vas-y. Allez, cocotte. Allez, cocotte. Oh, par contre, je pensais pas qu'il y avait autant de break là. Alors, j'ai pas compris ce qu'a fait ta balle, pourquoi elle a breaké autant. Je me suis trompé de temps. Non, mais je la voyais pas autant breaker non plus. Purée, c'est fait avoir là. Oh. Allez, on trouve Tania qui putte pour le par. Peut-être que je marque, hein, ça serait bien, non? Ah non, ça va, je suis pas sur ta ligne. Reviens. Oh, dommage. Oh là là, elle dégouline derrière en plus. Moi, j'ai juste à me la mettre donner quoi, en fait. Bon, il a pas filmé, mais j'ai putté. Elle est rentrée. On fait bogey. Allez, pour gagner, Baba. Pour gagner le trou. Et revenir square enfin dans le match. Oh, il la rentre. Allez. Tania qui a le putt du coup pour rester square sur le trou et rester one up sur le match. Come on. Oh, elle le sauve! Elle le sauve! On est toujours one down. Allez.